Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là avec Sancho de Cuba, que la Sancho pour la salsa. Yes, sir. Yes, sir. Pour un autre unboxing, celui de la Legend of Collectors. Je sais qu'elle arrive un peu tard. C'était la boîte de mai. J'ai pas encore ouvert la Wonder Woman de Legend of Collectors. On en a fait gagner une sur le groupe Romero Box. C'était Sylvain qui l'avait gagné. Je l'ai sûrement déjà ouverte alors que moi, elle est toujours emballée. On va plus tarder, on va procéder immédiatement à l'unboxing. On y va. Voilà. Comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Le pins et le patch en premier. Donc voilà. Bien collé pour une fois. Donc on peut voir que le patch, c'est les yeux, l'eau du visage de Wonder Woman, c'est-à-dire Wonder Woman Legend of Collectors, alors que le pins, c'est simplement le logo de Wonder Woman. Donc maintenant on va passer à l'intérieur. La boîte est grossement légère. Donc voilà l'intérieur. Parfait. J'avais senti un linge, mais pas un t-shirt. C'est des bas, donc voilà, on a Wonder Woman sur nos bas, excellent, avec des petites étoiles bleues au niveau du pied, très très bien, ouais, pourquoi pas, faire changement du t-shirt. Oh, j'ai l'impression de toucher deux pops. Oh, un pin size heroes de Wonder Woman, très très bien. J'essaie de pas trop embarquer sur les pin size. Elle est très mignonne en plus, Wonder Woman. Donc on va prendre un au hasard. Et c'est Wonder Woman. Oh, avec le lasso. C'est sûr qu'on allait souvent avoir un pop de Wonder Woman. Elle est très mignonne en plus. Parfait. Glow pop. Notre Wonder Woman. Ah, Dr. Maru. Dr. Poison. Oui, excellent. Oui, oui, oui. Très, très bien. C'est sûr que s'ils avaient mis seulement le Dr. Maru, j'aurais fait... Et juste une Wonder Woman, ça aurait été fait... Ouais, pas de surprise. Mais les deux... Je pense que c'est la première fois, en plus, que Legend of Collectors offre deux pops dans leur boîte. Donc, très, très bien. Oui, je suis preneur. Je suis très content, en fait. J'aime bien deux pops. Donc, j'ai l'impression que la boîte est vide maintenant. Et c'est le cas, donc une petite boîte qui fait bien sa job, pas wow non plus. On va vraiment espérer que la prochaine Batman Animated Series soit la boîte qui vient vraiment faire wow. Mais je veux savoir, vous, dites-nous là dans les commentaires, quel article avez-vous le plus préféré. Si c'est Dr. Maru, Wonder Woman, le pin size, le patch ou le pins, ou les bas. Donc, ça nous intéresse. Sinon, lâchez un pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez regardé. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, ben, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!